Malgré les difficultés de la route, merci d'ailleurs à vous tous de les avoir affrontées. On est sûr que celle-là aussi sera splendide. Et encore merci de l'organiser chez nous. Donc avant de commencer, je voudrais remercier Axel de m'avoir invité et de m'avoir confié cette tâche ô combien redoutable de débuter le Cabar Livre. Donc quand Axel m'a demandé cela, ça l'a dit, bien évidemment j'ai accepté tout de suite. D'ailleurs, comment refuser quelque chose à Axel Gauvin? C'est compliqué. Le titre que j'ai choisi pour cette conférence inaugurale porte trace d'un autre titre, celui de Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé. Cet ouvrage est la réflexion d'un écrivain sur son parcours d'écrivain, sur l'acte d'écrire dans un espace marqué par toutes sortes de dominations. Mon travail s'en écarte du fait qu'il ne porte plus, j'espère en tout cas, trace de la domination d'une langue sur une autre, d'un pays sur un autre, et d'une littérature sur une autre. Il invite à tourner le regard sur ce qui spécifie l'écrivain créole réunionnais, qui peine à en faire entendre sa singularité sur la scène littéraire mondiale, même si quelques-uns d'entre eux ont réussi à se faire éditer par de grandes maisons d'édition françaises, et donc ont réussi à dépasser la frontière éditoriale de l'île, à sauter la mer. Dans un monde mondialisé et dominé par l'anglo-saxomanie, il faut bien entendu se poser la question de la place et de l'importance, tant littéraire qu'économique, de la littérature française, qui est le premier horizon de la littérature créole réunionnaise. La question qui m'intéresse ici, écrire en pays créole, est bien plus modeste. Je voudrais en préalable préciser ce que j'entends par écrire et pays créole. Écrire. Pendant longtemps, la littérature a été cantonnée au territoire de l'écrit, laissant de côté tout un pan d'histoire non écrite, juste racontée, juste parolée dans des sociétés sans écriture, ou dans des sociétés où l'écriture était réservée aux actes de tous les jours, où l'écriture était prosaïque, c'est-à-dire utilitariste. Il a fallu attendre les décolonisations, puisé du côté des historiens, c'est-à-dire une remise en question de la conception de la littérature du sang, pour que le monde entende enfin ces histoires millénaires, voire multimillénaires, et reconsidère ce qui était convenu d'appeler littérature. Écrire, pour moi, signifie alors prendre en compte à la fois l'îlot et l'ensemble de l'océan. L'écrivain créole est riche de ce double héritage, lui qui appartient à la fois au monde de l'oraliture, c'est-à-dire la littérature orale, et celle de la littérature écrite. Encore faut-il qu'il en ait pleinement conscience. La littérature réunionnaise, pendant longtemps, a été divisée en deux. Celle produite en français, celle produite en créole. L'écrivain créole n'est pas monolingue, comme il n'est pas monoculturel.
Ce qui fait qu'elle est créole est justement quand lui cohabite, se marie, se mêle, se mélange des langues et des cultures. Écrire en pays créole, c'est paroler toutes les histoires dans toutes les langues que l'écrivain a à sa disposition sur le territoire. Il semblerait qu'un certain nombre d'obstacles se dressent sur la route de l'écrivain créole. Obstacles institutionnels, bien sûr, obstacles personnels, bien entendu, obstacles dus au statut de la littérature elle-même. Proposons quelque chose, une tentative, un essai. La littérature est un produit économique à très haute valeur ajoutée et à très forte valeur symbolique. Imaginez qu'une écrivaine peut devenir millionnaire, voire milliardaire, avec quelques livres. Et que parce qu'il, elle, est écrivain, écrivaine, il, elle, est placé au sommet de la hiérarchie des créateurs avant les peintres, les sculpteurs, les musiciens et autres célébrités de la créativité. Que dire si il, elle, est poète? C'est dire que lorsqu'on se mêle de littérature, on se trouve face à un monstre terrifiant qui a enfanté des monstres terrifiants qui ont pour nom Cervantes, Shakespeare, Montaigne, Rabelais, Ronsard, Molière, Corneille, Voltaire, Rousseau, Diderot, Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert. Donc chaque époque, chaque société fabrique ses monstres. Quand on se mêle de littérature, il faut faire avec tout ça. Il faut traverser le pays des monstres avant de devenir soi-même un monstre. Bien sûr, la littérature créole a ses monstres, avec lesquels tout écrivain créole doit composer. Et oui, le premier connu, celui qui a posé la première pierre connue, ces fables qui s'attaquent à un monument, à un autre monstre, La Fontaine, ni traduction, ni simple transposition, mais bien réécriture, mais bien recréation, La Caussade, et bien d'autres encore, des monstres, des balises, des repères, qui éclairent la route de celui qui se targue d'être écrivain, Baudelaire. Ses malédictions, ses blasphèmes, ses plaintes, ses extases, ses cris, ses pleurs, ses tédéum sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles. C'est un appel de chasseur perdu dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Baudelaire, les phares. Écrire en pays créole, c'est écrire dans la trace de cela et inventer sa propre trace. C'est aussi écrire dans la trace de la littérature monde, car si Flaubert écrivait contre Balzac, la bourgeoisie de son époque, l'écrivain aujourd'hui écrit contre la littérature venue de partout, de la mondialisation, dans un monde où les villes sont devenues tentaculaires, où le cosmopolitisme s'est généralisé, où le métissage s'est généralisé, où les langues se croisent, se mêlent, s'entremêlent, se créolisent, se font, se défont, s'inventent sans cesse, dans un carnaval joyeux et burlesque. Je lis dans un numéro du hors-série du Monde au titre évocateur « Afrique, l'envol », ces mots d'un photographe sénégalais, Omar Victor Diop. Ils sont noirs, arabes blancs, qu'importe, ils sont créatifs et ambitieux, mais surtout, ils travaillent à faire de la vision une réalité. Je dresse le portrait d'une génération qui œuvre à positionner l'urbain africain en tant que creuset de la création contemporaine, lieu d'échange et de production. Ici, paraître, c'est déjà une façon d'être. Les vanités qui se laissent éclore sont joueuses, optimistes et conquérantes. Elles offrent au monde ce dont il les a nourris, une âme créole. La littérature, et plus encore la littérature en pays créole, a quelque chose à dire d'urgent, comme l'affirme Jean-Marie Gustave Le Clézio. La littérature,
C'est là que je voulais en venir, n'est pas une survivance archaïque à laquelle devraient se substituer logiquement les arts de l'audiovisuel, et particulièrement le cinéma. Elle est une voie complexe, difficile, mais que je crois encore plus nécessaire aujourd'hui qu'au temps de Byron ou de Victor Hugo. Aujourd'hui, au lendemain de la décolonisation, la littérature est un des moyens pour les hommes et les femmes de notre temps d'exprimer leur identité, de revendiquer leur droit à la parole, d'être entendus dans leur diversité. Sans leur voix, sans leur appel, nous vivrions dans un monde silencieux. Leclésio, dans la forêt des paradoxes, cet extrait de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 2008. La littérature doit assumer cette fonction essentielle, sans être fonctionnaliste ou utilitariste. Dire le monde dans sa diversité, dans sa diversalité, pour reprendre un terme byzantin. Faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Faire entendre les voix créoles de ces archipels créoles, longtemps maintenus dans le silence. De ces archipels qui sont en train de naître et qui cherchent leur voix, par-delà les langues maternelles et les langues des anciens maîtres. L'espace réunionnais, car il faut bien y revenir, n'échappe pas à cela. Non pas dire adieu à la langue maternelle, non pas dire adieu à la langue française, mais bien les ouvrir aux langues monde. Non pas créoliser le français, franciser le créole, mais bien créoliser le créole en le mêlant aux langues monde. Le territoire créole est un territoire de langue, des langues, la langue, le seul instrument de l'écrivain qu'il faut pousser dans ses retranchements. Écrire est un combat avec les langues, c'est-à-dire non seulement accepter que la langue résiste, mais aussi admettre qu'il faut parfois la tuer, ou au moins en faire le deuil. Abandonner la langue de la tribu, pour mieux la retrouver par le détour, le passage d'autres langues, langues inconnues, langues inouïes, car à inventer. N'est-ce pas là le travail de l'écrivain ? Redonner un sens plus pur aux mots de la tribu, disait le poète Stéphane Mallarmé. Cette tribu qui est à la dimension et à l'image du monde créole. Je vous remercie. Il y a peut-être plusieurs façons d'analyser, de percevoir le problème que tu as soulevé. Je pense que le mot créole lui-même est un mot piège, dans le sens que c'est un mot polysémique et dans différents contextes, il a des sens différents. Par exemple, dans la linguistique anglo-saxonne, une langue créole, c'est une langue nouvelle qui naît à partir d'une collision en deux et ou plusieurs langues. C'est une langue nouvelle et au fil des années et au fil des générations, cette langue va devenir une langue nationale ou même une langue internationale. Par exemple, l'anglais, selon cette définition, est une langue créole. L'afrikaan est une langue créole. Le bahasa indonésien, qui est la langue officielle de l'Indonésie, est une langue créole. Donc, il y a cette définition du mot créole qui pose problème, mais il y a aussi la définition que c'est un philosophe et historiens anglo-saxons ont donné à des îles, pour définir des îles comme La Réunion, Maurice, Frédéric, Seychelles, qui sont, selon ces personnes, des îles créoles. Et ça veut dire quoi une île créole ? C'est une île qui au départ n'avait pas de population autochtone, qui est devenue ce qu'elle est, à travers des vagues d'immigration qui ont transformé la faune et la flore
en même temps, donc l'environnement écologique, et ça fait que je peux parler pour mon pays, Maurice, c'est une île créole typique dans ce sens. En dernier lieu, ce que j'aurais aimé qu'on réfléchisse aussi sur le rôle de la littérature, pas juste dans le monde créole, mais le rôle de la littérature dans la culture humaine. Quel a été le rôle de la traduction des textes sacrés comme la Bible, le Nouveau Testament, pour le développement de la langue anglaise, le développement de l'allemand? Quel a été le rôle de Shakespeare dans le développement de la langue anglaise, quand nous savons maintenant que 10% du vocabulaire utilisé par Shakespeare était des mots fabriqués par lui-même, pour son texte? Et ce qu'en anglais on appelle coining a word. Le travail de Rabelais, c'était quoi? C'est construire une langue à partir de l'écriture. Le travail de Dante, c'était quoi? Construire l'italien à travers l'écriture. Une langue qui n'existait pas avant cette écriture-là. Et qu'est-ce que c'est que la langue allemande? S'il n'y avait pas eu le travail de Martin Luther, qui décida un jour de traduire la Bible qui était en latin, en un dialecte qui lui était propre et qui est devenu cette langue prestigieuse que l'allemand. Donc, quand on prend tout cela en compte, je veux bien dire que tu m'as emporté par tes paroles dans un monde où j'ai été heureux, mais j'ai voulu aussi te demander, reviens sur terre avec moi, mon ami. Pour un peu aller dans la même direction que Ben, je dirais que le mot créole pose problème. Parce qu'on oublie trop souvent l'origine du mot qui est criollo, qui signifie tout simplement être né de la colonie. Et ce mot ne désignait que les blancs. Bon. Enfin. Mais ce n'est pas là ma question qui m'intéresse, tout simplement. Vous avez soulevé un problème qui me semble tout à fait intéressant et que vous n'avez pas développé. J'aimerais savoir un peu plus de vous. La question de l'Internet comme nouveau pays, si j'ai bien compris, et l'opposition que vous faites entre lieu et territoire. Ce qui m'interpelle sur Internet, c'est le fait que on puisse, en postant quelque chose sur Internet, on va dire un poème par exemple, ce poème, immédiatement, quasiment, puisse être capté par des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et que tout d'un coup, ce poème, ce conte, ce récit, n'importe quoi, puisse être lu par des millions de personnes d'un coup. Et ça me questionne par rapport, bien sûr, à la littérature elle-même, pas par rapport à la littérature dite traditionnelle. Et un roman a une durée de vie, on le sait maintenant, de quoi, de 3 mois, de 4 mois, et après c'est retiré des lieux de vente. Alors que sur Internet, même si le poème a une durée de vie d'une heure, d'un jour, il est lu par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et donc ça ouvre, en quelque sorte, des perspectives assez intéressantes par rapport au créateur. Parce que là, il a un public potentiel beaucoup plus important. Et deuxième élément, bien sûr, sur Internet, c'est que tout se vaut, tout est écrasé. C'est-à-dire que je publie un poème qui peut être lu par 100 000 personnes, vous publiez un poème qui peut être lu par 100 000 personnes, etc. Ça ne veut pas dire que le poème que je publie est meilleur, moins bon. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la valeur littéraire, c'est peut-être un fantasme, la valeur littéraire, si j'en sais rien, de ce texte, il est un peu, comment dirais-je, dilué dans l'immensité de la chose. Et en plus,
mon texte, mon poème, il entre en concurrence directe avec tout un tas de créations qui se font en même temps sur Internet. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, pour commencer, Miss Aliazot, anti-histoire créole. Anti-histoire, Ticoque, pardon. Ticoque n'a la fièvre. Son moment, il amène à lui médecin. Arrive dispensaire, n'a déjà deux, trois mounes, Léla, y attend dans la salle d'attente. C'est à qui il y a son journal, c'est à qui il fait tête son enfant, c'est à qui il casse la blague sans son dallon. Tant qu'avant de marmaille, n'a un peu la peur d'un infirmier, il traverse en robe blanc. Zot, il crie l'assassin. Ticoque dans tout ça. Son yeux, il reste bloqué en l'air, par où sa bande de monde, il rentre fur et à mesure. Lui voit les marqués dessus, cabinet du docteur X. Et ça, il tracasse à lui. Cabinet, l'imagine dans son cœur. Moi, elle n'a pas envie de cabinet, moi. Souvent, voilà que sur les entrefaites, son taux y arrive pour entrer. Pas moyen d'échapper, son moment, il tient bon son main. Après là, il représente à lui le docteur. Alors, Ticoque, il résigne à lui. Il rentre. Arrivant dedans, heureusement, t'es pas question de cabinet, tiens. Au contraire, le cabinet en question, c'est un grand salon en nique avec plein d'affaires brillantes aux alentours. Ensemble, un petit lit blanc au milieu. T'as qu'à le docteur, un grand oreille maigre, un zaran blanc. Au lieu de faire tirer à lui son culotte pour cabinet, il fait tirer à lui son chemise pour consulter. Avec ça, docteur là, elle est plutôt catogan. Lui cause bien que Ticoque lui demande. Alors, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Ticoque, il est fier, il appelle à lui, jeune homme. Alors, lui aussi, lors de son front, c'est la grosse tripe, lui répond. Maman a dit que j'ai la fièvre, docteur. Et puis, je tousse aussi de temps en temps. Bon, on va voir ça. À ce moment-là, le grand bout, il trappe à l'espèce d'affaire, il ressemble à l'espèce caoutchouc, lui bourre le bout d'un côté dans son oreille, et les deux autres bouts lui appliquent dessus l'estomac Ticoque. Et après là, lui dit, respire. Respire fort. Ticoque, il respire. Deux, trois coups de respire, comme ça, par devant, par derrière, sur le côté, partout. À un moment donné, lui touche le cou de Ticoque, lui demande « Qu'est-ce que tu as là ?»« Un boubou, docteur !» « Oui, je vois que c'est un bobo, mais comment c'est arrivé ?»« Ben voilà, nos deux Jean-Luc, la poseuse indienne, à un moment donné, j'ai reculé en arrière pour esquiver l'épée Jean-Luc. J'ai tombé, la pluche mon bras. C'est pas que ça. À ce moment-là, le docteur, il rit et puis il demande à lui. Qu'est-ce que tu as fait avant de tomber? Ben, Ticoque qui dit. J'ai reculé en arrière. Mais c'est un pléonasme, mon enfant. C'est quoi? Un pléonasme. C'est quand tu dis, par exemple, reculer en arrière, avancer en avant, monter en haut, descendre en bas, chaussures de pied, chapeau de tête, etc. Mais laissons tout ça, ce n'est pas grave. Je vais te prescrire les médicaments nécessaires pour ce bobo, car c'est ça qui te donne de la fièvre. Quand Ticoque sort, Madame Bigambé, ce moment, il court et il demande que sa docteur l'a dit. L'a dit. Moi, nana un pléonasme dans le coude. Seulement, il ne faut pas casser la tête, mais pas grave. Que ça, nana? Un pléonasme. C'est ça qui donne à moi la fièvre avec mal de tête. À ce moment-là, l'offre de Madame Bigambé, il pluche comme la popintade. Elle dit, n'a longtemps, moi, elle est sur la terre, mais c'est la première fois, mais on entend encore cette maladie-là. N'a si tant de maladies aussi comme elle a. Enfin, pourvu que lui donne le bon médicament qu'il faut. Bon, donne l'ordonnance pour aller à la pharmacie.
n'a fait guérir ce pléonasme-là. Pas besoin, tu pleures comme ça, Marie. Pas besoin, tu cries comme ça, Marie. Tu connais que lui est pétri. Arrête que ça, laisse aller rouler. T'es Marie, en fais pas ton chagrin. Tu connais que lui aime pas toi.
c'est l'histoire d'un fait divers qui est arrivé en ce temps-là, enfin, il y a longtemps. Et c'est un petit bateau qu'elle avait perdu, naufragé, un truc comme ça. Et donc, t'es Ronali. Madonna s'entend contre Antu, la vie en son grand monsieur. Elle écrivant, elle financier, elle architecte, puis encore, elle dit créant, coupé des corps. Vendre, Rodali, c'est un délit d'en face Paris. Vendre, Rodali, c'est un tension hyper délit. Vendre, Rodali, c'est un délit d'en face Paris. Toute la famille était tracassée, la vie en magasin prend le vide fond avec un bord.